Au moment même où François Hollande s'exprimait au sommet climat et territoire à la Confluence, les Verts et le parti de gauche avaient sorti drapeaux et pancartes. Objectif, interpeller les citoyens sur les enjeux écologiques. Tenez le journal de 2050. Oui, merci beaucoup. Éditer un petit journal, voilà, je ne sais pas si on le voit, qui se projette en 2050 et qui imagine ce que serait notre région Rhône-Alpes en 2050 si on continuait à faire comme on fait actuellement. C'est-à-dire avec des épisodes de sécheresse, de canicules plus importantes encore et plus nombreuses que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et puis tout l'impact que ça aurait aussi sur l'emploi, sur l'économie, sur le tourisme, sur l'agriculture.